Bonjour, ou plutôt bonsoir tout le monde. Bernet et moi, on est très heureux de vous retrouver. Donc, une fois de plus, on n'est pas de bonne heure. Il est presque 21h. Donc, ça va être le tirage au sort, enfin le grattage pour. On est quoi? On est mardi 13 décembre. Donc, ça va être la carte à gratter du 13 décembre. Mais avant tout, Bernie et moi, on a une petite surprise, on va dire. On a un petit message personnel à faire passer à Bernie. Bah oui. Alors attends, c'est moi qui allume, vaut mieux. Donc, parce que on vient de regarder vos petits messages et ça, c'est pour toi, Edith. Écoute bien. On souffle pour toi, Edith. Alors, joyeux anniversaire, Edith. Allez, on y va. 1, 2, 3, Bernie. Voilà. Alors, désolé un petit peu en retard. J'imagine que c'était hier. Donc, bah, voilà. Hop, on va couper ça. Donc, on te souhaite un joyeux anniversaire un petit peu en retard. J'imagine que c'était hier. Donc, bah, voilà, on te fait des. Plein de gros grosses bibises pour ton anniversaire. Donc sur ce, et ben, maintenant on va passer. Donc oh, ça sent super bon, la bougie de Patrick. Sens-moi ça bien. On va la laisser même ouverte pour l'odeur. Alors, je réteins, je préfère parce que je voudrais pas faire de bêtises. Donc je la réteins pour la vidéo. On la rallumera plus tard. Entre nous, hein, Bernie. Bon, oui. Alors, donc, on va voir le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Alors, je l'ai remodifié, je l'ai, vous voyez, je l'ai raccourci. Donc, c'est pas terriblement beau, mais ce sera toujours plus pratique. Comme c'est le mien, c'est mon prototype, c'est pas grave. C'est pour moi. Donc, voilà. Alors, hop. Alors, trouve-nous Bernie le 13. Ah, bah oui, il est là. Donc le 13 décembre. Hop, tu nous l'ouvres. Alors. Oh, il sort. Donc merci, hein, vous jouez le jeu. Donc, le petit tag de nouveau à gratter. Donc, tu le poses là, je te donne la petite épingle à linge et tu nous grattes ça. Alors, prends-le, ouais, prends-la plutôt de l'autre côté, je pense que c'est plus facile. Il y a un sens pour les épingles à linge. Hop. Alors, pour aujourd'hui, c'était. Alors, j'ai oublié de marquer 4, mais c'est 4 Jean. Donc, Jean, le prénom, célèbre. Donc, 4 Jean célèbre. Alors, vous avez le droit à Jean tout court ou Jean composé. Et vous me marquez à côté ce que c'est. Enfin, ce que c'est. Quel métier a ce Jean célèbre? Voilà. Parce que bah oui, ça peut être. Oui, enfin, il y a plusieurs cordes. Enfin, c'est un art. Enfin, j'imagine un artiste, donc ça peut être un peintre, un sculpteur, un chanteur, un acteur, un réalisateur, ce que vous voulez. Quelqu'un de l'histoire. Hein. Enfin bref, des gens célèbres. Voilà. Donc vous pouvez, si vous trouvez aussi des gens quelque chose. Allez, on accorde? Ouais, allez. On accorde. Voilà, donc ça c'est le défi du 13. Et puis on va refaire le petit point. Alors, donc vous êtes toujours 24 à jouer. Et alors, tout le monde est à jour, sauf
Nadine Evrard, tu n'as pas répondu aux 12, donc hier, donc no panique, hein, c'est pas franchement du retard. Et puis, Sissi bébé également. Tu as tes 11 croix, mais tu n'as pas la 12e, donc du défi du 12 décembre. Donc vous êtes deux dans ce cas-là, donc Nadine Evrard et Sissi bébé. Et Patrick, je n'ai pas pu valider 12 décembre parce que tu n'as pas fait attention, mais tu n'as mis que 3 prénoms mixtes et forcément il en faut 4. Donc voilà, juste un petit oubli de ta part. Donc si tu peux rajouter le quatrième prénom et puis voilà, je validerai ta réponse. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, enfin une bonne soirée d'abord, une bonne nuit, de jolis rêves. Et puis un gros gros bisou à toi particulièrement, Edith, pour ton anniversaire. Big bibis!